burn-out. Une dépression qui atteint un stade où vraiment vous n'avez plus aucune énergie. Vous ne pouvez plus rien faire. Tout vous semble impossible. Pourtant, vous vous démenez dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et rien n'avance comme vous le voulez. Il s'agit d'un appel de votre inconscient, un appel profond qui vous demande de changer. Certaines perceptions en vous, certaines croyances profondes, peut-être certaines habitudes, en particulier celle qui vous fait croire que ce que les autres veulent est plus important que ce que vous, vous voulez. Il est important, il est essentiel que vous accordiez d'abord une ne serait-ce que minuscule place à vous-même. C'est vous qui êtes le plus important dans votre vie, ce n'est pas votre enfant. Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre chef, c'est vous. Si vous, vous n'êtes pas là, votre enfant n'a plus de parents, votre mari n'a plus de femme, votre femme n'a plus de mari, votre chef n'a plus d'employé. C'est vous la personne la plus importante. Vous devez vous ménager un espace, rien qu'à vous, où vous pouvez commencer à délimiter qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous, pas aux autres. À vous. C'est parfois difficile, nous avons beaucoup de résistance, de murs, de blocages qui nous empêchent parce qu'on se dit oui mais ça c'est pas possible, oui mais ça je peux pas, oui mais ça non. Il est très difficile de faire ce premier pas. Si vous êtes prêt, si vos résistances sont prêtes à lâcher, rien que cette information vous suffira. Vous avez les capacités en vous, les capacités inconscientes de changer tout ça. Votre inconscient vous demande là, de le changer, et c'est tout. Dès que vous aurez fait le premier petit pas, vous ressentirez un soulagement immense, un sentiment de libération et de joie très intense. Il suffit de faire ce premier petit pas, de vous accorder un moment régulier pour vous, un moment où vous n'allez pas vous sentir comme vous vous sentez à l'intérieur pour faire ainsi, pour donner tout votre être à l'extérieur sans jamais en donner à vous-même. Un moment où vous allez prendre le temps de vous aimer, de vous faire plaisir, de vous papouiller avec amour. Voilà. Si tout seul ça paraît vraiment difficile, je suis là, donc n'hésitez pas à appeler. Je vous accueillerai avec grand plaisir. D'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite bon courage et une très très belle journée. Faites-vous plaisir !